Salut les amis, bienvenue sur Iwana RC. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau lieu sur l'île. Pas si vous entendez un petit peu, mais aujourd'hui, c'est journée aéromodélisme. Alors, je suis à Bass Point, c'est vraiment éloigné de chez moi par rapport à où j'habite sur l'île. Et il y a beaucoup de personnes, avec surtout beaucoup d'avions. Je suis venu avec mon pote Kevin pour s'initier à l'avion. On va faire un petit peu décollage avec mon pote Marc de la chaîne MacTib FPV sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Donc on va aller voir ça en ce moment. Donc on a un avion militaire suisse. Il est vraiment pas mal. Finition et tout. Je croirais à bord. Hein. Super. Et on va voir les autres avions. Ça c'est l'avion de Kevin. On reconnaît les débutants. Et là, regardez-moi. Petit jet. Je sais pas c'est quoi comme style d'avion. Non, on en a un autre. Je vais pas donner les noms, les amis. Je connais vraiment pas. Je vous montre juste les avions. Hop, regardez encore là. Ils sont les uns sur les. Ah, il est pas mal, le petit bleu là. Ah ouais. Et regardez, il y en a encore des gros là. Des gros hélicoptères. Il n'y a que des gros. Plus ou moins. Plus ou moins. Waouh, l'envergure de celui-là, quand même. Et regardez, mon préféré, parce que franchement, il est immense quand même comparé aux autres sur le terrain. Et on a le commandant Silvio, si vous le reconnaissez. Salut. Et c'est le seul avion que tu as amené? Ah, c'est à toi les Jets. C'est pour ça qu'ils sont bien. Franchement, j'aime beaucoup le petit bleu là, il est pas mal. Et son baptême en plus, on va filmer ça alors. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour des avions. Attendez, il y a deux hélicoptères que je vais vous montrer. Ah, ils ont disparu. Il y avait deux gros hélicoptères. Ah, je les ai vus. Ils sont juste là, on va aller voir. Donc, il est juste là. Ils sont juste là. Deux gros hélicoptères thermiques. Et l'avion écolage thermique de notre ami Marc. Le Domino Trainer. Pas mal, franchement il est pas mal. Donc voilà les amis, bon, il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde est occupé, ils sont en train de discuter et tout. Donc je vais juste vous filmer les vols et si j'interviewe quelqu'un, ben je l'interviewe. Les amis, on vole avec le commandant Silvio sur l'avion thermique. Direction Saint-Martin. Dommage, Jean, il venait pas là pour les produits du Tifoui. Les amis, il est ultra zoomé. Vous voyez jusqu'où il est? Ah non, ça va, tu vois, l'hélicoptère vu de plus près, c'est monstrueux. La ligne, là, résonateur pour d'échappement, comme vous voulez. Tout en carbone la queue. Ah oui, les amis, on a Marc qui va voir si son monstre hot dog, du moins hot trainer, va démarrer. Il nous a l'attaqué. Entre Marc et moi, c'est une grande histoire. C'est vrai. Donc les amis, le démarre avec ça. Donc regardez, hop. Le booster met sur le bout de l'hélice et ça tourne en fait pour augmenter la rotation pour pouvoir faire le moteur démarrer.
Donc les habits, ça c'est la catégorie préférée de Marc. Les avions, c'est son dada. T'as fait de l'avion dans combien de temps exactement? J'en fais depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans, je pense qu'il en a 74 ans là. 53. Depuis l'âge de 11 ans, mais il a 12 ans et demi. Hein, donc ça veut dire la marge de progression est vraiment spectaculaire. Ah ouais, merci Sylvio. Attention, il y en a un atterrissage derrière toi. Hein. Oui. Ton prof. Ah, c'est toi qui lui as appris? Eh ben, tu parais jeune alors, Sylvio. Ah ouais, j'avoue, je te donne 40 ans, honnêtement. J'ai commencé à 49 ans. Sérieusement? Ouais, et puis tu l'as donné des cours à 11 ans. J'ai commencé en 2009. En 2009, sérieusement? Ouais. Ouais. En sauvage. En sauvage, comme Jordan. Voilà. Ok. Jusqu'à ce que je ne rentre pas, que tu me fasses arrêter par les autorités. J'ai reçu un blâme, un arrêtissement, et depuis ça, je ne vois plus de chemin. Ouais, en gros, ils n'avaient pas besoin de prendre ton argent pour le club. Voilà. Et Marc, tu vas arrêter de dire ça. C'est son couteau d'âme, il n'arrête pas de dire ça. Saloperie par-ci, saloperie par-là. Ah, saloperie. Eh ben, gay. Donc, alors, tu fais quoi là? Tu branches les cerveaux? Là, j'ai branché l'alimentation. L'alimentation. J'enlève les interrupteurs, je n'aime pas. Il y a toujours des défauts. Donc, explique à nos amis que normalement, le positionnement de l'aile n'est pas comme ça sur cet avion. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Il y a deux positions possibles. D'accord. Soit aile haute, comme ça. Ou soit aile médiane. Il y a le deuxième tube ici là qui permet de le mettre en plein milieu. Et du coup, aile médiane, le vol est plus stable. Le vol est plus acrobatique. Ok, là, d'accord. Là, c'est plus stable. D'accord. Mais franchement, il est pas mal. Hein. Avec du? Le gel. Le dièdre. Dièdre, ok. C'est nettement les circonstances à tenir. Donc regardez, ça n'a pas un débattement de fou, c'est vraiment petit. Donc on espère qu'il va démarrer. Donc c'est un avion sans plomb, en fait, les amis. Donc c'est un moteur sans plomb de 26 cc, c'est ça? Marc, 26 cc le moteur? 22 cc le moteur. Oui, il est beau quand même. Je le taquine, mais ouais, il est beau. Avions, on est traînant comme ça. Mm-hmm. En plus, on peut mettre la position des ailes comme on veut. Exact. C'est vrai, il est pas mal. Marc vient faire la frime avec son avion. Il est sérieux, regardez-le. Il est pas sérieux comme son buggy. Les gars, Je n'ai pas volé avec. Il y a de l'avion là. Kevin aussi, t'as stressé pas mal pendant ton premier test là. T'aimes pas? Ah, t'aimes pas ton premier vol, mais t'aimes bien en fait. Mon premier vol de. Ok, d'accord. Ça va entrer, t'en fais pas, ne te mets pas le stress pour rien, on est venu s'amuser. Les LED sont puissantes quoi. Où est-ce que tu vois les LED? Malgré le soleil quoi. Où sont les LED? Ah non, non, mais c'est le reflet. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y avait les LED quoi. Donc voilà, il est en train d'amorcer le tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi elle tourne comme ça. Et vous allez voir l'action, la petite machine que je vous disais. Hé hey. Démarrer que ça allait démarrer là. Ça a fait un bruit. Oh, après 5 ans. Après 5 ans les amis. Oh là 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 là. Ah ouais, le bruit, il est totalement différent des petites thermiques nitro. Oh, maman. Wow. Regardez la terre. Mon Dieu. Jordan, c'est pas les petits avions, hein. Oh là 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 là, hâte de le voir voler, ah ouais. Thank you.
Je l'ai perdu. Bien, super, c'était le vol avec le haut traîneur, un cinquième 22cc thermique, un cinquième, oh là là, j'ai les voitures, un cinquième dans ma tête mes amis, c'est juste que je voulais de remonter sans plomb. Donc là les amis, nous avons une aile propulsée par un moteur arrière. Oh là là Seigneur, ça fait un boucan. Attention, c'est la main. Sa main est passée pas loin de lui. Sur lui, c'est que tu mettais les caméras. Sa main n'est pas passée loin de lui. Non, ça passe. Déjà vu. Le bruit que ça fait, mon Dieu. Tu as vu par toute la vitesse. Ouais. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Rafale. Non, c'est simplement que le vent est travers et tu n'as pas en face. Ça va tellement vite, je ne peux pas filmer de trop près les amis, sinon je le perds. Allez, mon versement et on va descendre l'autre sens. Il est où, il est où? Ah, il est là. Bon, je vais le fait que je me calme un peu. Non, tu ne peux pas te calmer quand tu es comme ça, là. Non, 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 non. Pour le sud, c'est pas évident. Oh les gars, excusez-moi, mais je vais essayer de faire un petit passage bas. C'est ça. Mais moi-même, j'ai des boules là, ça fait un moment que je n'ai pas pris de bien. Un peu sur mon Dieu. Oui, pas facile. Je peux pas zoomer pour être de près parce que ça se déplace trop vite. Mais j'arrive quand même à filmer. Ouh. Encore mes bras, ils vont lâcher.
pas encore le temps là, j'ai pas regardé. Mes amis là, avec Mactib, je vais faire mon baptême de l'air. Donc si moi je peux expliquer le principe des deux radios. Les deux radios. Une radio maître, un bouton de transfert de l'impulsion à la radio élève. Ici, vous allez avoir donc il est en mode 2, alors que moi je suis en mode 1. Mode 1, j'ai les gaz ici, donc on entend la voix accélérée. J'ai les ailerons, la profondeur et la direction. Alors que lui, il a directement les ailerons et la profondeur sur le même manche. Parce que c'est comme ça que je veux faire. Alors, et il a les gaz et la direction. Pour l'instant, il n'a pas la possibilité de jouer sur les gaz. C'est pour le prof qui va jouer sur les gaz. Ça s'en sert à quelque chose ? Pour l'instant, non. Parce que c'est comme là. Donc, je tiens en bas et alors je vais faire en bas. Bon, ben, on va décoller, les amis. Hein. Donc là, c'est lui qui va décoller et après, il va me dire quand je peux manier là. Je te montre juste ce qu'on va faire. Hein. D'accord. Alors, normalement, à ce stade, tu vois la crête normalement dans ton champ de vision, tu as l'avion et en même temps la crête des bananes. Tu dois rester dessus. Ok, c'est dessus des bananes. Dessus des bananes. Là, tu vois la position, comment les deux ailes sont. Il y en a une qui est toute petite, il y en a une un peu plus grande qui est vers nous. Tu le maintiens. À chaque fois que tu prends la ligne droite, je reprends. Si elle est bonne, on essaiera de faire un virage. Je stresse déjà. Ah ouais. Donc c'est toujours comme si tu étais dans l'avion. La droite, c'est la droite de ton manche. La gauche, c'est la gauche du temps. Ok. Ouais. Ouais. Tu tires pas? Tu sais que tu tires pas? Non, j'ai pas tiré. Là, j'ai fait des essais de droite là. Voilà. On est un petit peu vers nous. On est un petit peu à plat. Ok, on est à plat maintenant. Je crois qu'il est plus droit. Okay, il pique du nez. Non, c'est moi qui recule. Ok. Oh, ça va en vrai. T'as pas beaucoup affiché. Hein. Ouais, c'est pas ça. T'as déjà volé un petit peu sur de Jordan. Ouais, mais moi, c'était des vols avec Giro. Avec Giro, mais c'est comme si il y a un Giro dans celui-là. Okay. Ouais, c'est toi le Giro. Et en plus, il te parle le Giro, t'as vu ça. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Oui, je suis prêt. Il est à toi. Oh mais qu'est-ce que tu fais Marc? Tu m'as mis n'importe comment. Je reprends. Tu l'as mis n'importe comment aussi. Il est là, tu vois, il est lavé dans n'importe quel sens. Mais c'est à toi de le rattraper. C'est à toi de le rattraper, le remettre dans l'axe. Être attentif, tu peux pas toujours te le donner. Tu as bien fait tout à l'heure. Non mais j'essaie de le rattraper, mais tu l'as pris sur moi. Faut pas qu'il arrive sur la tête. Ok. T'es prêt? Oui. Il est mieux là? Oui. Il est à toi. Ok. Mais il monte. Plus grave. Problème. Non, c'est lui qui tire. Non, même pas. Si, tu te rends pas compte de qui tire. Oui. Tu te suis le manche. Tu tires sans t'en rendre compte. À chaque fois, vous. Tu l'as pris là. Oui. Il faut que tu mettes tes doigts pour ne pas pour bien sentir le centre du manche. Parce que ça vient du ventre. Oui, non, là c'est bon. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ça. Je reprends. Ok. Alors, tu vois, tu as presque passé derrière les épaules. Tu restes sous la tête de la main. Ok. En ligne droite, il faut corriger pour aller sous la crête. Sur la crête, c'est bon. Ensuite, soutien. Tu pars, donc tu as droite pour le ramener. Droite encore. Mais pas des accros, pas d'accro. Faut pas donner d'accro. Tu peux pas faire comme ça. Pourquoi je suis obligé d'incliner l'avion? Il faut incliner parce qu'il n'y a pas de direction. Parce que c'est déjà avant que j'essaie, je pouvais tourner à plat. Oui, mais c'est pas notre avion. C'est pas la même chose. Concentre-toi, je suis allé. On fait l'atterrissage. Alors, je t'explique. C'est un hélicoptère ou un avion? Là, c'est un bon, merde. Oui, ça.
cette direction-là, le train avant là, le point. Et voilà les amis, vraiment pas facile. Donc là, sur vous, c'était vraiment pas facile. Il y a différentes techniques à prendre en compte, comme par exemple ne pas mettre son pouce comme ça, si on a moins de sensibilité, effectivement. Quand Monsieur le Président m'a dit de mettre mon pouce comme ça, effectivement, tout de suite, j'ai mieux géré, même si c'était pas ça. Mais c'est vraiment plus compliqué, c'est pas de la voiture, c'est pas du bâton, ça demande de la maîtrise, ça n'a rien à voir, il faut vraiment sauter sur la gâchette, rattraper tout de suite, puisque ça part vite. C'est comme cela, il n'y a pas de gâchette sur un marché, il n'y a pas de volant non plus. En plus, c'est pas mal, franchement, ça me donne envie de m'entraîner avec Marc, c'est trop loin, malheureusement. Merci Marc. Donc là, les amis, il y a les gros modèles qui vont décoller. Ça fait un bruit de malade mental. Il y a celui-ci. Et celui-là fait un bruit. Mon Dieu. Oh là 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 là. Ça y est, il a décollé. Pas mal de vent aussi les amis. Pour le c'est à plat. Oui, c'est vrai. Ça, tu l'as lancé. J'ai touché, on sait jamais. Tu cours. Non, il va penser ça, mais. Oui, super jet. Ah ouais. C'est
Silvio, il t'a montré que ton jet n'est pas encore prêt. Ton aile volante. Attends, ton aile volante, mange ça sans assaisonnement. Sans assaisonnement. Attention. Non, c'est la même chose. Non, je ne sais pas. Yes. Mais pourquoi vous coupez? Quand ça descend, ça accélère à fond. Tu mets la vitesse. On n'est pas habitué. Mais Mac, il vole comme il veut, Mac. Une tâche. Ça fait du bien aux oreilles. J'avoue. On est resté sur notre fin là. On a du spectacle là. C'est trop tôt. Voilà. Oh, super! Et on est avec Silvio, il va baptiser son avion, il a un petit peu peur. C'est un petit jet. J'ai pris ces mini-planes, ça fait déjà pas mal de temps. Avant qu'il se fasse racheter? Voilà, alors c'est une petite turbine de 50 mm. Donc il est donné pour 3S, donc pour le baptême, je vais le mettre en 3S. Et puis je vais quand même amener une petite 4S au cas où. Le SS support 4S? Non, là c'est un 3S, donc je vais pour le bateau, je vais pas 3S, mais j'ai une petite 4S aussi pour plus tard, donc on verra ce que ça va. Non, mais est-ce que le SC supporte le 4S? Normalement oui. Alors, ok. Je dis normalement oui parce que sur les vidéos, il est magnifique, d'origine, les gars mettent une 4S. Ok. Notre ami, Notre ami JC va nous le lancer. On le lançait peut-être. Comment tu vas faire? Inversé. JC. JC. Moi je vois tout comme ça, je sais pas. Lance-le, j'y sais. Il faut que tu le lances droit devant toi. Tu ne veux pas le faire décocher. Ouh là 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 là. C'est de la puissance, tu veux faire, c'est vertical carrément. Viens, accélère, il vient vers nous, il cabre. Non, Silvio. Accélère un peu. Silvio, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas tombé. Non, j'ai collé, ouais, c'est ça, parce que c'est la partie, oui, ouais. Il s'est passé quoi, Silvio? Écoute, il y a JC qui m'a planté, quoi, il a mal envoyé. Ah, et, tout de suite. Et j'ai perdu mes moyens par la suite, donc... je veux que tu as dit, mais il est comment là? J'ai atterri. L'inverse, était tellement beau qu'il savait plus quoi faire. J'ai atterri en catastrophe pour pouvoir le régler, quoi, et récupérer de mes émotions. Voilà. Oh, mais il y a un manque aussi qui stresse les gens, c'est vrai. Ne faites jamais un barbu, vous envoyez votre avion. Non, il a très bien lancé. Je lui ai dit quand même dans quel sens il était, parce qu'il savait plus s'il était. Oui, parce que j'ai l'entendu dire, il est comment. T'as vu, par contre, Marc veut toujours sa part du gâteau. C'est ça. Si on ne nomme pas dans une vidéo, il n'est pas content. C'est ça. Ah. Et tu vas nous refaire un vol, j'espère. Ah oui, là, je vais essayer le gros, là, ça fait un moment, je n'ai pas fait voler. Mais pour lui, c'est bon, là. Donc voici les amis, c'est tout pour cette vidéo de journée aéromodélisme. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit commentaire, j'y réponds toujours. Et je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, boum !